with the statue of a 17th century slave trader pulled down in Bristol. The monument to Edward Colston. Push to remove Confederate monuments, gaining momentum by the day, as well as a lot more criticism. De larges traces rouges sur les statues de Victor Schœlcher et de l'esclave libéré à Cayenne. As the protests over police racism and brutality rumbled across European cities, some activists targeted their own country's colonial history. In Belgium, demonstrators spray-painted a statue of King Leopold II, whilst in the UK, a statue of 17th century slave trader. Déboulonner et après. Aujourd'hui, dans le cinquième et dernier volet de cette série sur les statues contestées, on va s'interroger sur les suites qui peuvent être données à ce mouvement iconoclaste global. Que faire des statues renversées, contestées, taguées? Est-ce qu'il faut les mettre au musée, les accompagner d'une plaque explicative? Est-ce qu'il faut ériger d'autres statues de victimes ou des œuvres artistiques? Comment les différents pays et les différents acteurs se débrouillent avec ces enjeux? Voilà quelques-unes des questions qu'on va aborder en compagnie de nos invités dans cette émission préparée et enregistrée par André Loès pour le podcast Parole d'Histoire, que vous retrouvez en ligne sur le site paroledhistoire.fr. On va soulever ces questions pas pour donner une réponse globale et définitive, bien sûr, d'autant que ce n'est pas forcément le rôle des historiennes, des historiens, des politistes et des sociologues d'être prescriptifs en la matière, plutôt pour réfléchir à voix haute à ces enjeux, pour penser aussi, après le temps du clash mémoriel visible autour des statues, à ce qui pourrait sinon refaire consensus, du moins contribuer à dessiner des espaces publics remodelés dans une plus longue durée. Et la première question qu'il faut affronter, d'une certaine manière la plus importante, en accordant autant d'importance aux statues, est-ce qu'on ne perd pas de vue ce dont elles ne sont qu'un signe symbolique, des situations concrètes, de domination, d'inégalité, inscrites dans les structures sociales, et qu'il est beaucoup moins facile de déboulonner d'un seul coup? Sociologue chargée de recherche au CNRS, Sarah Gainsburger insiste sur ces aspects fondamentaux. Alors là, c'est pour moi la question fondamentale, qui touche à l'actualité des statues, des commémorations, mais qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire celle de savoir si on peut transformer une société et des comportements à travers des outils symboliques. Ma réponse, du point de vue de la sociologie, hein, qui ne va peut-être pas remporter tous les suffrages, c'est que non. Et on a énormément de travaux... même sur d'autres périodes, sur d'autres comportements sociaux, etc., qui vont dans ce sens, même s'ils ne sont pas problématisés dans cette perspective. Notamment, évidemment, la question socio-économique est centrale, et elle rejoint aussi celle de la transmission. Par exemple, c'est sûr qu'il faut se demander si la question des statuts est fondamentale ou première par rapport à celle qui serait celle d'une réparation économique, par exemple. Quand on apprend que... la fin de l'esclavage a donné lieu à des indemnisations par l'État français pour les propriétaires, qu'il y a donc toute une question économique qui peut être tracée, qui peut être identifiée, qui peut être comptabilisée, estimée et qui peut peut-être donner lieu à des réparations, alors pas forcément toujours individuelles, mais aussi à des fonds qui pourraient abonder certaines politiques socio-économiques ou éducatives auprès des populations qui restent stigmatisées. Voilà, cette question symbolique, elle a de sens que si elle est liée à une réflexion plus globale et plus systémique, puisqu'on n'arrête pas de dire que la situation de la discrimination raciale est systémique. C'est bien le système qu'il faut changer et pas les individus un à un. Or, c'est un peu un des paradigmes individualistes de la transmission de la mémoire aujourd'hui. C'est changer les gens dans leur fort intérieur en les familiarisant avec des passés violents. Mais en fait, le fort intérieur, en sociologie, ça n'existe pas. Un constat sur l'importance des changements sociaux, sans lesquels les changements symboliques resteraient vains, que rejoint André Célestine, maître de conférence en sociologie politique à l'Université de Lille, à propos de Black Lives Matter aux États-Unis. Oui, absolument. Et pour le coup, je pense qu'une des choses qu'on ne peut pas reprocher au mouvement de Black Lives Matter, c'est de n'être que sur le symbolique. Même la simple question des violences policières est elle-même abordée comme étant le sommet de l'iceberg. Elle est elle-même abordée comme l'élément peut-être le plus médiatique d'un système raciste, systémique et institutionnel, ce qui fait que, de fait, par essence même, la question des drapeaux et de la symbolique, elle fait partie du combat et du mouvement, mais de la part de gens qui ont une très très forte conscience de l'importance des conditions très matérielles
d'existence des Noirs américains. Un exemple qui me semble particulièrement important, c'est celui, par exemple, des réparations. C'est-à-dire que lorsqu'on aborde les réparations dans le contexte de Black Lives Matter, il ne s'agit pas simplement d'excuses formelles ou d'une politique qui serait qu'une politique symbolique. Il s'agit de mettre en avant de manière extrêmement claire la manière dont très concrètement les institutions bancaires, le gouvernement fédéral et un certain nombre d'acteurs politiques et économiques ont empêché les Noirs américains d'accumuler des richesses pour sortir de manière durable de la pauvreté. Ce qui fait que je pense que ce mouvement, et c'est l'une des difficultés, c'est qu'il avance sur plein de fronts en même temps. Il y a une conscience très très forte que le symbolique et le mémoriel, ce n'est pas du tout par là que les gens vont s'en sortir. Donc ça, je pense que ça fait partie complètement de l'ADN du mouvement, de se poser des questions de manière extrêmement structurelle et d'avancer sur un volet, mais en le rattachant toujours à des enjeux extrêmement structurels. Et effectivement, mettre une autre statue à la place ne va pas, ne suffira pas et n'est absolument pas suffisant pour le mouvement. Oui, je pense qu'il n'y a pas du tout de risque de ce point de vue-là dans le cadre de Black Lives Matter. Et il y a une forte conscience au sein du mouvement du fait que la statuaire et la symbolique ne sont qu'une toute petite partie du mouvement. Si ce qui relève du symbolique pèse moins lourd que ces enjeux concrets, ça ne veut pas dire que cela ne compte pas. À travers les statues, les signes, les choses d'ordre symbolique, on peut aussi faire exister des revendications dans l'espace public. Le concept qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est celui par exemple de vecteur de mémoire, en pensant que Sarah Gainsburger. Les journées de commémoration, les certains nombres de manuels scolaires, les expositions, les mémoriaux et les statues sont des vecteurs de commémoration. Donc, ils transmettent une mémoire. Or, je pense que c'est une vision qui n'est pas forcément pertinente pour étudier vraiment ce qu'il se passe. Par contre, si on reprend, par exemple, une notion comme celle forgée par Roger Bastide, qui est un des anthropologues qui a travaillé sur la mémoire et précisément sur l'Amérique noire, il parle de point de repère. Il dit que souvent, il y a des dimensions culturelles qui permettent d'accrocher les souvenirs. Donc, peut-être que cette notion de point de repère pour accrocher les souvenirs ou, en l'espèce, accrocher les revendications, accrocher les problèmes publics, serait peut-être une catégorie plus intéressante pour travailler sur les statues. En fait, les statues, elles, leur force, c'est d'être un lieu à partir duquel on peut se focaliser, on peut discuter et apporter une revendication dans l'espace public. Et je pense que la plupart des gens qui le font ne sont pas dupes et ne pensent pas qu'en mettant une statue, par exemple, d'un esclave ou de quelqu'un d'un esclave qui s'est lui-même affranchi à la place de Colbert, ça va tout changer la condition des personnes noires dans la société française, évidemment. Mais c'est une façon de porter une revendication dans l'espace public. Réfléchir à ces questions, cela renvoie aussi au 19e siècle, au début du 20e siècle, au moment où ces statues ont été érigées, et ça nous conduit à mesurer ce qui nous sépare aujourd'hui des régimes de grandeur qui pouvaient être employés à l'époque. Explication d'Emmanuel Furex, professeur à l'université Paris-Est-Créteil. Les statues de grands hommes ne sont pas simplement des objets commémoratifs, bien évidemment, ils ne sont pas des livres d'histoire, ils sont des régimes de gloire incarnés. Et de fait, le parc statuaire qui est celui de nos villes contemporaines, en réalité, pour l'essentiel, est celui de la fin du 19e et du début du 20e siècle, c'est-à-dire l'âge d'or de ce que l'on a appelé la statuomanie. Le terme péjoratif montre qu'à l'époque même de son triomphe, il a aussi suscité des critiques, c'est-à-dire par un effet d'inflation. Il y avait trop de grands hommes, on parlait de grands hommes de chefs-lieux de canton, etc. Et ce système de gloire nous est aujourd'hui devenu largement étranger, c'est-à-dire c'est le grand homme comme vecteur du progrès et du génie national, incluant du coup dans son sillage les conquêtes coloniales. C'est tout l'enjeu des controverses contemporaines. Du coup, l'un des enjeux d'aujourd'hui consiste à réfléchir ensemble à un nouveau régime du grand homme au XXIe siècle, un grand homme plus modeste et qui
plus l'idée d'un droit à la ville qui est celui d'un droit de représentation visuelle des différentes catégories sociales, qui n'implique absolument pas évidemment l'idée d'une d'un miroir entre la population et les statuts, mais en tout cas l'idée d'une capacité à se projeter dans le présent et pas simplement dans un passé désormais enseveli. Ce qui implique la présence des femmes, la présence des classes populaires dans ces images du grand homme. Il faudrait bien sûr élargir cette question bien au-delà de la statuaire en incluant les fresques, le street art, etc., etc. Cette idée d'un droit de représentation de différentes catégories dans l'espace public, on la retrouve en partie chez Annie Gérin, professeure à l'Université Concordia à Montréal, qui a beaucoup travaillé en histoire de l'art sur l'espace public et commémoratif. Elle évoque elle aussi la pluralité des solutions, relativise un peu la nécessité de conserver toutes les œuvres du point de vue de l'histoire de l'art, et insiste également sur la dimension démocratique qui doit permettre d'aborder ces questions. Il y a plusieurs orientations qui ont été choisies, qui sont débattues en ce moment. En fait, moi, ce que j'aurais à dire principalement, c'est que le dialogue avec les communautés est ce qui est le plus important. Je ne crois pas qu'il y ait une solution unique. Du point de vue de l'historienne de l'art, les historiens d'art, comme les muséologues, on a tendance à vouloir préserver les objets. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que ces objets-là ne sont pas nécessairement des objets uniquement à vocation artistique, qu'ils ne sont pas tous non plus de grande qualité artistique. Hein, certains, si on pense au monument au General Lee aux États-Unis, plusieurs de ces monuments-là sont des copies de pas très, très bonne qualité. Donc, il n'y aurait aucune raison, là, du point de vue de l'histoire de l'art, de les conserver. Il ne faut pas oublier non plus que les musées et les bibliothèques aussi, par exemple, font le tri régulièrement dans leurs collections pour décider de ce qui vaut la peine d'être montré à certains moments. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi, dans l'espace public, on ne pourrait pas passer par le même processus et procéder à des accessions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions que je trouve vraiment, vraiment intéressantes, qui sont celles qui impliquent la population dans un dialogue, soit en créant des nouveaux monuments qui sont en dialogue avec les monuments qui sont problématiques, des recontextualisations. Mais comme je vous dis, ça doit toujours passer par la communication avec les communautés. C'est aux communautés qui fréquentent les lieux à pouvoir décider des milieux dans lesquels elles ont envie d'évoluer. Donner une place aux citoyens dans ces processus, dans ces discussions, c'est une pratique courante en Allemagne, dont il ne serait pas inintéressant de s'inspirer ailleurs. Nicole Offenstadt mène de conférences à l'Université Paris 1. L'espace public allemand, il y a une grosse différence avec la France de ce point de vue-là depuis longtemps, c'est que dans les questions de mémoire historique, dans les questions de traitement du passé, on invite toujours les citoyens à donner leur avis, à s'exprimer. Donc, il y a une tradition de vivacité et d'opposition des points de vue sur le traitement du passé. On le voit, par exemple, il suffit de visiter une exposition en Allemagne, sur quelque aspect que ce soit du passé allemand, pour se rendre compte qu'à plusieurs moments, souvent dans l'exposition, il est demandé aux spectateurs, aux visiteurs, son avis sur l'exposition, mais pas seulement son avis sur la qualité artistique ou sur la muséographie, mais sur les événements eux-mêmes, qui peuvent être des avis extrêmement tranchés et extrêmement politisés, évidemment, quand il s'agit d'une révolution ou d'un parti pris politique. Et donc, cette idée que le citoyen allemand doit s'exprimer sur son passé dans un espace public en acceptant des différents points de vue qui peuvent avoir des effets sur la muséographie ou sur la manière dont ensuite on va mettre en scène le passé, c'est quelque chose qui est très vivace en Allemagne. Il y a eu récemment, dans la ville de Münster, un débat sur la question de savoir si on allait garder ou pas la place Hindenburg, donc ce général de la guerre de 14-18, déjà contesté évidemment pour sa manière dont il a géré la guerre et l'après-guerre, mais encore plus pour avoir d'une certaine manière mis le pied à l'étrier à Hitler en 1933. Donc cette figure discutée et discutable de Hindenburg a suscité encore en 2012 à Münster un gros débat pour savoir si oui ou non on allait débaptiser cette place. Et parmi les éléments du débat, il y a eu un référendum.
Donc cette habitude allemande quand même de considérer qu'un certain nombre de questions historiques doivent être traitées, et d'ailleurs ça finit par être débaptisé, malgré le référendum. Donc du coup c'est intéressant de voir qu'il y a une vivacité. Dans le cas belge, Benoît Henriet, professeur à la Vrije Université de Bruxelles, insiste non seulement sur les vertus du débat public, mais aussi et surtout sur sa nécessité, pour que les questions soulevées par les débats sur les statuts ne restent pas sans réponse. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense que c'est pas forcément aux historiens, en fait, vous l'avez dit, d'être prescriptifs et de dire ce qu'il faut faire. Je pense qu'il existe toute une série d'interventions qui sont envisageables, que ce soit des interventions artistiques, la pose d'une plaque explicative, le déboulonnage, le déplacement de statues dans un espace du style exposition permanente avec une explication sur pourquoi est-ce que ces statues finalement ont été retirées de l'espace public. Donc il existe tout un éventail d'interventions qui sont possibles et envisageables, et la seule chose qui me semble évidente, c'est qu'on ne peut pas continuer à ignorer le besoin, le demande, le cri de colère de la diaspora par rapport à la présence non critique de ces statuts dans l'espace public. Il est clairement nécessaire aujourd'hui pour les politiques d'écouter les demandes de la diaspora, d'essayer de faire une intervention. Et c'est le moment en fait de créer un débat peut-être large entre responsables politiques locaux, responsables politiques nationaux, militants, historiens, spécialistes du patrimoine culturel sur le devenir de ces traces du passé colonial dans l'espace public. Itay Lotem est lecturer à l'université de Westminster. Il inscrit lui aussi la question de l'espace public dans un débat plus large. Et au passage, qu'on ne vienne plus jamais me dire que les historiennes et les historiens restent dans leur tour d'ivoire, délaissent les usages sociaux de l'histoire. Quant à la possibilité réelle de mener de tels débats sereins et informés, si on regarde les chaînes d'info continues, évidemment c'est pas gagné. Mais on est beaucoup à essayer d'y contribuer. Qu'est-ce qu'un espace public repensé ? Itay Lotem. Les espaces publics font aussi partie d'un débat social et d'un débat politique un peu plus grand. Donc le moment quand on parle des espaces publics qui sont plutôt... J'ai toujours du mal à dire ça c'est un espace public réussi, ça c'est moins, mais très souvent on prend facilement des exemples assez allemands où on voit qu'il y a des espaces publics avec des monuments qui ne célèbrent pas, mais en fait qui ouvrent la porte à une sorte de réflexion sur un passé sombre, sur un passé... qui ouvre une sorte de discussion sur le passé où on ne parle même pas d'une sorte de fierté dans le passé ou de même de soit fierté soit culpabilité. Oui, culpabilité, honte, fierté, mais où on commence à parler d'une sorte de responsabilité, mais aussi de responsabilité pour une vérité historique. Mais alors, je trouve souvent que ces espaces publics, ce sont des espaces publics qui n'ont pas de statut figuratif, mais des statuts qui essaient de parler d'idées plutôt que de personnages, parce que des personnages... Le moment qu'un personnage est célébré, on parle vraiment d'une sorte d'individualité et aussi des actes individuels qui ne sont jamais aussi facilement célébrés parce qu'il y a toujours des côtés très problématiques de presque chaque personne. De l'autre côté, créer ce genre d'espace public, des espaces publics sans personnage figuratif, est aussi dépendant d'un discours politique. Parce qu'on peut pas, on n'aurait jamais pu créer le mémorial pour l'esclavage et ses abolitions à Nantes. On n'aurait jamais pu créer des mémoriaux comme les mémorials pour les victimes de la Shoah à Berlin sans des discussions publiques sur une échelle plutôt nationale qui revendiquaient une sorte de introspection historique sociale. Et je crois que sans ces débats plutôt nationaux, sans des revendications sur le plan national, qui en ce moment n'existent pas tant que ça en Angleterre ou en Grande-Bretagne, ce sera très très difficile de créer des espaces publics qui vont au-delà de représentations de personnages. Itay Lotem vient de citer à Nantes le mémorial de l'esclavage inauguré en 2012.
Et de fait, parmi les solutions proposées en ce moment, figure celle de créer davantage d'égalité monumentale en érigeant des contre-statues, d'autres statues, les statues ne commémorant plus les perpétrateurs d'actes colonialistes et esclavagistes, mais celles et ceux qui leur ont résisté ou qui en ont été les victimes. Dominique Taffin dirige la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, très impliquée dans ces questions, et elle nous propose un tour d'horizon de ce type de monument dans l'espace public français. Des figures, oui, il y en a. Il y en a déjà notamment le travail qui a été fait souvent depuis 1998 concernant l'esclavage, c'est-à-dire en fait l'époque du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, où il y a eu vraiment une très très forte attention évidemment publique et un effort, une réappropriation de ce passé avec son explicitation, un travail de recherche renouvelé avec de nombreux nouveaux travaux, des colloques, mais aussi avec des politiques publiques en fait d'hommage à des personnes, alors soit physiquement identifiées, soit plutôt symboliques, pour justement réhabiliter ce rôle, ce rôle des hommes et des femmes eux-mêmes qui étaient mis en esclavage et qui ont résisté ou lutté contre la condition qui leur était faite. Et ça, il y a bien sûr ce personnage extrêmement important qui est Louis Delgrès, qui est donc martiniquais d'origine, mais donc officier de l'armée française et qui, avec ses compagnons d'armes, s'est fait donc sauter quand il n'a pas pu bloquer l'intervention du général Richefrance pour rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Il y a des personnages comme la mulâtresse Solitude, qui est un personnage en fait très peu connu, hein, qui a une grande partie évidemment de une aura un petit peu mythique aussi autour d'elle, mais qui est notée par donc l'historien presque contemporain Lacour, l'historien de la Guadeloupe Lacour. On a d'autres personnes aussi qui ont été réhabilitées. Alors par exemple par rapport à Chalchère, évidemment là aussi sur la Martinique, c'est le personnage de Cyril Bissette, un homme comme on dit donc à l'époque un mulâtre, hein, donc qui avait une situation en fait intermédiaire dans la hiérarchie ethno-sociale de la Martinique et qui lui-même a été victime de la répression de la restauration quand il a voulu réclamer la liberté, l'égalité des droits des libres de couleur et qui ensuite donc s'est engagé dans le combat contre l'esclavage et qui était en fait un ennemi politique de Chalchère et donc c'est une figure qui a été réhabilitée. Et pour Delgrès, pour Solitude, ce sont des personnes pour lesquelles des statues ont été érigées, donc des monuments, des hommages, donc voilà, assez nombreux d'ailleurs en Guadeloupe, alors qu'ils sont extrêmement méconnus en fait dans l'histoire de France. Pour Haïti, on pense à Toussaint Louverture, bien évidemment, qui lui commence à être un petit peu mieux connu, bien que la révolution haïtienne soit restée longtemps quand même un peu un coin obscur des révolutions atlantique, donc de la fin du XVIIIe siècle. Donc on a des personnages, on a d'autres qui sont un peu moins connus, on a le député Jean-Baptiste Bellet par exemple, donc qui est l'un des premiers députés noirs à la Convention. On a donc des personnes. Ensuite, on a des personnages symboliques, c'est-à-dire le nègre marron, qui lui, donc concentre en quelque sorte, représente en fait l'ensemble des mouvements de résistance. Donc justement, c'est marronnage, ces différents types de marronnage, grand marronnage, petit marronnage, c'est-à-dire vraiment de s'échapper du monde de l'habitation, de s'échapper de la condition d'esclave. Et souvent, ça a été beaucoup le cas pendant la période révolutionnaire du Consulat et de l'Empire, aussi mène des descentes contre les habitations sucrières en Martinique et en Guadeloupe. Et aussi, il y a des grands camps de marrons, bien sûr, dans les autres îles, notamment à la Jamaïque, à Cuba. Et les marrons, alors qu'ils forment carrément une vraie société durable qu'on trouve en Amérique du Sud, donc que ce soit dans le plateau des Guyanes, sur le plateau des Guyanes, qu'au Brésil, avec le fameux quilombo de Palmares, si on mentionne un exemple non francophone. Donc ces personnages commencent à revenir sur le devant de la scène, présentés comme des héros. Et puis à côté de cela, on a aussi la revanche
revendication, alors qui est de notre ordre, c'est celle de la reconnaissance des victimes. Donc on voit qu'il y a une demande à la fois de montrer des héros, des gens qui représentent donc cette résistance et cette lutte contre l'esclavage, mais aussi cette demande de la reconnaissance du statut de victime des esclaves, de victimes qu'ont été donc les gens réduits en esclavage et qui a trouvé en fait aussi son expression à partir de 98, parce que c'était assez peu présent dans l'historiographie antérieure. Et que la loi Taubira, finalement, en reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité, donc a posé aussi de façon beaucoup plus évidente la figure de la victime. Pourtant, ériger d'autres statuts ne répond pas entièrement à la question « que faire de celles qui posent problème ?». Une des solutions évidentes, et pour le coup très historienne, est d'ajouter une plaque, des informations de contextualisation. Est-ce qu'on lit vraiment ces plaques? Est-ce que ça suffit? Réponse de Sarah Gainsburger. Ben pour l'instant, en fait, ce type de dispositif n'a pas été vraiment mis en place. Donc, ce qu'on sait, c'est que les plaques commémoratives dans l'espace public sont très peu lues, très peu remarquées. En général, quand on fait des enquêtes auprès des riverains ou des passants, on s'aperçoit que les gens ont quand même remarqué qu'il y avait des plaques. Donc, ce qu'ils retiennent, c'est qu'il y a des choses historiques qui se sont passées ici. Mais la nature de ces choses, là, par contre, ça a beaucoup moins d'impact. Alors, puisque tu disais que la question, c'est aussi celle des émotions, il y a une forme de paradoxe à mettre une plaque qui, bien sûr, sera du côté du rationnel, ce qui est tout à fait normal et ce qui est important, de dire des choses et de les expliquer. Mais peut-être qu'il faut que ce soit au moins complété par quelque chose de plus émotionnel. Par exemple, si on laisse la statue et qu'on met la plaque, aussi de faire un travail artistique autour de la statue, de la redessiner, de la transformer, de lui donner un autre sens, mais quelque part sur le même registre qu'est le sien, qui est un registre quand même figuratif, artistique. Par exemple, on peut penser à une décommémoration ancienne qui remonte à 91 à Fort-de-France, où la statue de Joséphine de Beauharnais, donc l'impératrice femme de Napoléon Ier, qui se trouve être fille de grand propriétaire terrien des Antilles, a été décapitée pour signifier précisément le fait qu'elle est jugée complice et responsable, par ceux qui m'ont décapité, de la restauration de l'esclavage par Napoléon Ier. Ça, c'est un acte qui est très violent, mais qui a été préservé. En fait, la statue existe toujours, elle est toujours décapitée, et c'est en tant que statue décapitée qu'elle est rentrée au répertoire des monuments historiques. Donc ça, c'est une transformation de la statue qui porte en fait l'émotion dans la transformation. Donc peut-être que, a priori, on pourrait penser à des dispositifs mixtes qui à la fois amènent de la compréhension, de l'explication, mais qui aussi transforment d'un point de vue visuel, artistique, figuratif, l'œuvre d'art en elle-même. Pour réfléchir à ces enjeux, il n'est pas inutile de faire un détour vers les pays qui ont eu des masses de monuments et de décommémorations à gérer, comme l'ex-URSS. Julie de Schepper, que vous avez également pu entendre dans le deuxième volet de cette série, postdoctorante à l'INALCO et dont la thèse porte en partie sur ces questions, nous explique les solutions qui y ont été trouvées. Il y a vraiment plusieurs types de solutions qui ont été envisagées. On peut vraiment essayer de faire une typologie de ce qui s'est passé. La première chose, c'est de savoir qu'en fait, il y a un éventail de possibilités entre simplement le fait de laisser le monument sur son piédestal ou sur son lieu de construction et le détruire ou le faire disparaître. Entre deux, il y a des solutions qui ont été trouvées, c'est-à-dire le garder, mais placer un commentaire sur le monument, c'est-à-dire vraiment le conserver, mais essayer de... d'en donner une interprétation plus pédagogique ou en tout cas qui pourrait intégrer tous les pans de l'histoire. Donc ça, c'est une solution qui a été trouvée. L'autre, ce serait de changer le monument de place pour changer sa centralité. Donc ça, par exemple, c'est ce que j'évoquais déjà avec les monuments de Staline dans les années 1960. Mais le changer de place, notamment pour le mettre où, alors il y a trois grands types de solutions. Le premier, c'est de le mettre dans un cimetière de statues. Et ça, par exemple, c'est ce qui s'est passé en Lituanie, dans le parc Glutash,
qui est devenu une sorte de musée en plein air et qui s'est transformé aujourd'hui plutôt en attraction pour touristes un peu nostalgiques de l'Union soviétique, ou en tout cas fans de ce kitsch soviétique qui est nouvellement à la mode. Et donc, avec cette idée que les monuments ne sont pas commentés, ils sont juste placés dans la nature pour un petit peu formuler et montrer ce que j'appellerais leur déchéance un petit peu de monumentalité ou même de patrimonialité. Et puis, il y a des parcs qui sont beaucoup plus organisés, où on va respatialiser la mémoire, c'est-à-dire réorganiser l'espace pour réorganiser tout le discours qu'il va y avoir autour des monuments, ce qu'on pourrait appeler une forme de resémantisation. Donc ça, c'est le cas classique, c'est celui du Memento Park en Hongrie, à Budapest. Et là, on voit vraiment un parc qui a été recréé à partir donc, de tous les monuments de la ville, mais qui est situé en dehors de la ville. Donc déjà, il y a ce mouvement-là de ne pas les laisser au regard de tous, mais il faut faire le choix d'y aller. D'ailleurs, c'est pas forcément facile. Et donc, de transformer ces monuments, qui ne sont plus des lieux de vénération, pas pour tous des lieux de repentance, mais plutôt un lieu d'observation de ces monuments qui sont replacés vraiment comme sous forme d'un musée à ciel ouvert. Et c'est aussi le cas à Moscou, dans ce qu'on appelle le Muséon, qui là est encore un cas encore plus intéressant parce que le parc est situé devant le musée d'art moderne Tretiakov, et donc pas à l'intérieur. Donc c'est déjà une affirmation assez symbolique de dire que ces monuments n'ont pas leur place dans le musée, mais méritent tout de même d'être vus et conservés. Et donc, c'est là où ont été déplacés les tout premiers monuments qui ont été officiellement donc déboulonnés, c'est-à-dire le monument de Félix Dzerzhinsky, le monument du bolchevique Sverdlovsk, de Kalinin. Et ensuite, dans ce parc a été replacé aussi un monument de Staline qui avait été sur le papier dans les archives. Il est inscrit qu'il a disparu, alors qu'en fait, selon moi, il était caché dans les réserves du musée. Et donc, dès que le musée a pu s'en débarrasser, ils l'ont replacé devant. On le voit, quand le passé est compliqué, quand ses traces monumentales sont encombrantes, il existe pas mal de solutions intermédiaires entre le maintien et la destruction pure et simple. Cela se vérifie aussi en Allemagne, où, comme on l'a vu dans le deuxième épisode de cette série, les remodelages de l'espace public ont été très nombreux entre les héritages nazis et ceux de la RDA. Le musée de la citadelle de Spandau à Berlin accueille une partie de ces monuments entre guillemets toxiques. Sa directrice, l'historienne Urte Evert, nous explique son fonctionnement. We have this exhibition where we have all those toxic monuments they are shown and they are in context with all the history you can tell about it and so it's kind of a safe space, I think. It's not in public open, but it's in public in a museum, so it's not vanished at all. But still, you can go there and find them and touch them. In our museum, you can touch all monuments and feel the power, for example, of stone. But you can also read everything about it and you can talk and you can get into your history without destroying it. Un lieu sûr, un lieu accessible, un lieu où on peut voir les objets et les contextualiser, où on peut les toucher également, parce qu'ils ont perdu leur fonction initiale dans l'espace public. C'est le cas notamment d'une tête monumentale du premier dirigeant soviétique, rendue célèbre par le film Goodbye Lenin. Yes, at first our most famous exhibition object is the head of a Lenin statue that used to stand in Berlin in public. It was really huge, about 19 meters, and just the head has a weight of 3,500 kilograms, and it's from the former GDR, and that statue used to be a point where the party of the former GDR forced the people to go and to celebrate and whatever, and after the reunification, the Berlin Senate decided to remove it from the place. Not all Lenin statues were removed, but the most of them. And this one was very popular because of a movie, Goodbye Lenin.
And there you can see that head flying over Berlin, transported by a helicopter. That's not really true. It was transported by a crane, but for the picture, it was good. And the former head of the museum, she decided to remove it from the ground because that one was buried in the woods near to Berlin, just to make that history vanish. And many people in Germany, from East Germany and from West Germany, were not happy about it because they said, we don't want to have our history vanished and buried in the mud, but we want to discuss it. And even if the symbol is difficult, we can't just remove it. And so just the head was removed from the ground and is now in our museum. And for Germans, it's a difficult point because it's just the head without the body. Some people from the former GDR still in the mood of West Germany just destroyed the GDR and destroyed our history and wanted to make it invisible. And now, okay, it's visible, but just in a museum. And other people say, I'm really glad that I don't have to see it anymore because I am from East Germany and I had to deal with it every day. And it reminds me that Lenin wasn't a good person just because Stalin went after it and was even worse. That doesn't mean that you have to celebrate a person like Lenin. So it's always a point where you have to discuss. Des Berlinois qui viennent voir cette tête de Lénine et réfléchissent à l'effacement de l'histoire de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne réunifiée, d'autres qui viennent la voir et se souviennent des aspects répressifs du régime, le passé est bien mis en discussion à travers ce type d'exposition. C'est également le cas pour le passé nazi. There are not so many statues and not so many monuments because the Nazis had not so many statues because they wanted to show themselves and their own power by architecture. So you can see inside the museum too a model of the Brandenburger Tor and a huge building Adolf Hitler and Speer planned for Germania. And it's so huge, it couldn't have been grounded on the Berlin ground. So the Nazis just wanted to show how big they can build. And but we have one statue from the Nazi time that was a stone, a monument for January 1933, when the Nazi Party took over. And when Berlin was surrounded by the Red Army, the people of Berlin decided to remove it, not to provoke the Russians with it, because there was a swastika, a black sun. So they removed all the symbols and they tried to remove the stone, but it was too big. So they digged it in the earth too, just like the Lenin head, but in 1945. In our exhibition, it is seen. And we have another monument. It's a bell from a church with a swastika on it. And I show it temporarily in that permanent exhibition in these days because of 75 years celebration of ending the Second World War. And so, yes, all these monuments and objects are toxic for Germans. We have always the fear that if we have it in our museum, that, for example, neo-Nazis would come and would take pictures with it and celebrate it. But it didn't happen so far. And I think still it's great to show it and to show, yes, that is our history. And we have the responsibility to talk about this part of history too. Une démarche de confrontation raisonnée avec le passé, permise par un lieu, un musée, celui de la citadelle de Spandau à Berlin, explicitement pensée pour cela. Un modèle donc tout à fait intéressant, mais pas forcément transposable dans d'autres musées et dans d'autres pays, en France en particulier, où il y a déjà un déficit de mise en musée de l'histoire coloniale.
Pour approfondir ces différentes questions liées au musée, j'ai discuté avec Félicité Bodenstein, maîtresse de conférence à Sorbonne Université, qui a travaillé à la fois sur le cabinet des médailles de la BNF et sur les questions de restitution d'objets liés à la colonisation. Je lui ai d'abord demandé pourquoi cette solution, mettre les statues problématiques au musée, était aussi souvent mise en avant. Je pense que d'une certaine façon, oui, c'est devenu une évidence. Enfin, c'est devenu une évidence dans la mesure où on s'est toujours servi du musée, et finalement le musée est même né dans ce contexte de recontextualisation et de transformation des valeurs associées aux monuments et aux objets de la culture matérielle d'une façon plus générale, soit dans le contexte de la sécularisation de la société, soit dans le contexte d'un changement de régime politique. Bon, la Révolution française est l'exemple évident. La création des musées a permis de sauver, en fin de compte, beaucoup d'objets de collections et de monuments qui autrement risquaient de disparaître parce que les valeurs qui leur étaient associées, essentiellement aristocratiques, n'avaient plus cours ou au moins on ne voulait plus qu'ils aient cours dans la société. Donc il fallait, pour pouvoir garder les choses, il fallait leur donner une autre fonction. Et cette fonction était la fonction muséale. Donc aujourd'hui, si on décide qu'on ne veut plus que Rhodes, la statue de Cecil Rhodes à Oxford, pour prendre un exemple, qu'on la garde dans un contexte de mise en valeur, on va dire, glorificatrice de grand homme, et qu'on voudrait plutôt transformer Rhodes dans un document historique, c'est-à-dire un statut qui représente cette histoire coloniale très difficile avec la partie sud de l'Afrique, effectivement, la mettre au musée est une manière que nous avons développée, c'est la technologie que nous avons développée en Occident, en tout cas, pour faire ça, pour transformer les valeurs associées à certains objets. Du coup, ça soulève peut-être la question, quel musée et quel dispositif dans le musée ? Parce que si c'est mettre au musée pour le placer en haut d'un escalier comme la victoire de Samothrace au Louvre, ce n'est pas idéal non plus comme solution. Donc, le musée, dire on va mettre au musée, c'est finalement pas dire grand-chose ou pas dire assez sur ensuite comment on se charge de ces objets. Bien sûr, et je dirais que le problème principal que nous avons... Après, bon, tout dépend de quel statut nous parlons et de quel contexte local il est question. Parce que je pense que pour chacun de ces statuts, la solution qu'on va devoir trouver va être très, très différente. Il n'y a pas de solution unique à cette problématique. Il faut déjà qu'on soit dans le contexte où on a des musées qui ont une culture pour gérer ce type de problématique. Parler de l'histoire coloniale, par exemple, en France, au musée, ce n'est pas une tradition très forte. Déjà, même le musée d'histoire n'est pas aussi développé que le musée de Beaux-Arts en France. Le modèle principal que nous avons de valorisation, c'est par les arts. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà, quand il y a eu le projet pour un musée d'histoire de France sous Sarkozy, ça avait été très largement décrié, même les historiens se sont largement mobilisés. Pour des raisons politiques, mais aussi en mettant en avant l'argument que l'histoire est forcément instrumentalisée au musée, etc. Et nous n'avons pas non plus de lieu qui est vraiment dédié à la question de l'histoire coloniale, à proprement parler. On a des lieux qui sont associés à cette histoire, mais même ça a été difficile au musée de l'immigration d'intégrer l'histoire du bâtiment à la Porterie, qui était quand même le palais des colonies construit pour l'exposition coloniale, qui porte cette histoire en elle-même, qui l'incorpore, mais qu'on a malgré tout eu du mal à souligner et à médier dans ce contexte. Maintenant, il y a un projet qui travaille là-dessus depuis une dizaine d'années et on commence à voir qu'on va apprendre à s'en sortir avec cette histoire, à trouver les bons dispositifs, à trouver aussi une manière de travailler avec des historiens d'autres contextes qui portent d'autres voix, des anciennes colonies, etc. Parce que c'est vraiment un enjeu de voix, de plurivocalité, de qui va avoir le droit d'en parler, qui est associé en fait à ces monuments. Donc si on veut les intégrer dans le musée, il faut effectivement qu'on réfléchisse où. C'est certainement pas... Enfin, Colbert, effectivement, il pourrait trouver une place au Louvre, quoique je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur exemple pour un déplacement nécessaire. Mais après, pour chaque figure historique, ça va être une autre question qui va se poser.
On peut se demander plus largement dans quelle mesure la phase actuelle de confrontation avec la mémoire du colonialisme et de l'esclavage va conduire les musées existants à repenser un peu leur fonctionnement, leur mode de présentation des objets, leur structure même. Robert Aldrich, professeur à l'Université de Sydney. Tout à fait, mais c'est une très grande question qui a différents aspects. D'abord, il y a la question de la restitution des objets. Et bien sûr, il y avait le rapport présenté au président de la République française qui a recommandé la restitution, la rapatriation de certains objets acquis pendant l'ère coloniale. Ça, c'est une question, mais il y a une autre question. Comment va-t-on présenter les objets qui restent? Comment va-t-on présenter l'histoire coloniale dans les musées en Europe et même ailleurs? Et là, il y a un effort à décoloniser l'histoire. Le problème est le suivant, je crois. Si on veut bien décoloniser l'histoire, mais il y a un danger de tomber à l'envers, de présenter l'histoire coloniale d'une façon un peu simpliste, d'une façon qui manque de nuances. Par exemple, un tel musée doit présenter quand même le vécu des Français qui étaient aux colonies. On peut bien privilégier la vie des colonisés, mais il y avait aussi des Français, commerçants, missionnaires, journalistes, enseignants et autres qui ont participé à cet effort colonial et qui méritent une place dans les musées aussi. Donc l'enjeu, c'est de présenter des collections, de décrire les collections d'une façon qui présente différentes versions de l'histoire qui présentent les activités des différents acteurs dans cette histoire et qui invitent les visiteurs à réfléchir, à débattre, à comprendre la complexité de la situation coloniale. Felicity Bodenstein réfléchit également à ce mouvement paradoxal qui amène d'un côté des statues potentiellement retirées de l'espace public dans les musées, tandis que des objets qui se trouvent dans les musées pourraient être restitués à d'autres pays. Effectivement, deux flux dans deux sens différents, c'est-à-dire on enlèverait des collections les objets pris ailleurs dans les anciennes colonies notamment, ou qui sont venus dans nos collections par des circuits d'autres contextes coloniaux, et on accueillerait des objets associés à l'histoire coloniale qu'on a nous-mêmes, on va dire, érigés ou construits. Il y a un lien très fort entre ces deux catégories d'objets, qui dans les deux cas, ils pourraient nous parler d'une histoire dont ils ont très peu parlé pour l'instant. Les objets qui sont soumis à des demandes de restitution sont très souvent demandées parce que justement elles sont très importantes pour l'histoire, non seulement pour la culture d'origine dans un sens essentialiste, mais parce qu'ils sont importants pour l'histoire du fait colonial. Ils ont été pris au moment souvent du début de la colonisation, ils représentent pour les... je pense notamment au cas des bronzes de Benin City sur lesquels je travaille, qui sont des objets qui ont été pillés en 1897. Ils représentent ce moment aussi de pillage. Ils représentent le début aussi de la colonisation. Et c'est pour ça qu'ils sont perçus comme très importants, parce qu'ils peuvent permettre de revisiter cette histoire dont on parle très peu, ou jusqu'à récemment, nos institutions ont évité d'en parler. Quand on présente ces objets au musée, certains musées en parlent, d'autres passent complètement sous silence le fait que ce sont des objets pillés. Et de la même manière, je pense que les sculptures qu'on essaie de déboulonner aujourd'hui, on les accuse finalement du silence. Pour donner un exemple, plusieurs personnes m'ont dit par rapport à Colbert, effectivement, ce qui est étrange, c'est que j'associais pas le code noir avec Colbert, enfin, où j'avais pas tellement pensé. C'est vrai, c'est pas quelque chose qu'on associe de tout. C'est un élément parmi d'autres. Et ça nous surprend quand on découvre qu'il y a des gens pour lesquels Colbert, c'est quasiment que ça. C'est ça qu'il représente. Il faut qu'on ait la possibilité d'accepter que d'autres pays, d'autres groupes ont une vision de l'histoire très très différente de la nôtre, et ils ont besoin d'être entendus, et ils nous demandent finalement en faisant cela de les écouter
et de prendre en compte une autre écriture, une autre mise en valeur ou une autre critique du passé. Dernière série d'arguments pour compliquer le musée comme solution idéale, et en tout cas un lieu où on ne pourrait certainement pas juste se débarrasser derrière leurs portes de monuments problématiques, tout le monde ne va pas au musée, comme le rappelle Sarah Gainsburger. Et on s'aperçoit que finalement, la fréquentation des musées reste quand même très fortement stratifiée d'un point de vue socio-économique, et que c'est les catégories qui sont les plus diplômées, qui ont le plus haut niveau de revenus, qui se rendent le plus souvent au musée. Alors certes, cette stratification est plus extrême pour les musées d'art. Là où elle est la moins forte, c'est pour les musées de sciences. Et en quelque sorte, les musées d'histoire sont dans un entre-deux. Ça reste quand même très, très majoritairement des gens qui ont un certain bagage culturel, socio-économique, qui se rendent au musée. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire que ces gens-là n'ont pas besoin d'être éduqués, voire rééduqués, bien non. Bien entendu, et je pense même qu'ils font partie, contrairement à une certaine vulgate, de ceux qui doivent être familiarisés avec ce genre de problématiques, mais il faut être conscient de ses limites. Donc, encore une fois, je proposerais plutôt une approche globale à plusieurs niveaux, et c'est par exemple certaines des propositions qui ont été mises en œuvre dans une des commissions qui s'est penchée sur cette question pour la ville de New York et qui a fait un audit des différents monuments, plaques et lieux problématiques dans l'espace public et qui parfois recommande en fait des solutions mixtes. Des solutions mixtes où peuvent intervenir des artistes. C'est le dernier type de solution évoqué par nos invités qui a fait en partie ses preuves dans les ex-pays communistes par exemple. Julie de Schepper. Il y a l'idée aussi de remplacer le monument et donc de réutiliser le piédestal. Et souvent, c'est des réutilisations qui font appel à des artistes contemporains. Donc là, par exemple, un cas très classique serait celui du monument à Staline à Prague, construit en 58, si je ne me trompe pas, détruit en 62, laissé vide, et en fait en 91, remplacé par une grande œuvre représentant un métronome, métaphore du temps qui passe, du rapport au temps, au passé, au présent, par exemple. Donc dans cette intervention de l'art contemporain, je dirais le dernier exemple peut-être à citer, parmi les plus symboliques, c'est celui du monument en l'honneur de l'Armée rouge à Sofia en Bulgarie, qui lui est depuis au moins 10 ans réutilisé par des artistes contemporains et réinterprété en fait avec l'usage de la peinture, notamment donc on peut penser à cette réinterprétation où les soldats sont peints avec des masques ou des costumes de héros de comics, puis quelques années après repeint en rose en soutien aux Pussy Riot, et ensuite lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine repeint aux couleurs du drapeau ukrainien. Donc là on aurait encore une intervention de l'art contemporain pour modifier le sens du monument. Et c'est d'ailleurs ce que propose Banksy aujourd'hui, par exemple à Bristol, puisque le monument d'Edward Colston a été repêché de la rivière dans laquelle il avait été placé. Et donc Banksy, par exemple, propose de remettre Colston sur son piédestal, mais d'ajouter au monument trois personnages qui seraient en train de tirer une corde de façon à réconcilier aussi ce monument, donc là en faisant de réconcilier les discours, et donc là en faisant intervenir aussi l'art contemporain. Emmanuel Furec souligne à son tour l'intérêt des démarches artistiques en la matière. Je pense que les artistes ont plus à nous dire sur les possibilités de redessiner le sens d'un monument, éventuellement même l'inverser, que les historiens proprement dit. Ils peuvent, en collaboration, là encore, avec des sociologues, des anthropologues, des géographes, réfléchir également ensemble sur les sens perçus aujourd'hui par les habitants, voire l'absence de sens tout court par les habitants, donc des monuments sujets de contestation. Un monument est figé dans sa matérialité, mais bien évidemment, les sens qui lui sont donnés se superposent dans les couches successives.
Et les propositions, effectivement, artistiques peuvent justement rendre sensibles et visibles ces nouvelles couches de sens. Et en ce sens, leurs propositions sont réellement à écouter avec la plus grande attention. On a vu à plusieurs reprises au cours de cette émission les solutions intéressantes ou innovantes trouvées en Allemagne pour gérer ces questions. On ne sera donc pas surpris d'écouter Nicole Offenstadt souligner l'intérêt du travail des artistes également dans ces contextes. Une utilisation très puissante de l'art pour traiter des enjeux de mémoire, y compris de l'art parfois très critique. Et là aussi, c'est cette acceptation du débat qui peut être un art très disruptif ou en tous les cas peu canonique. Et de fait, ça peut être utilisé pour ces questions mémorielles. Un exemple, moi, que je trouve très intéressant, c'est celui du monument aux morts de Hambourg. C'est un monument aux morts qui, évidemment, a été pensé après la Première Guerre mondiale, mais qui a été achevé à l'époque nazie. Donc, c'est un immense bloc extrêmement militariste. On voit très vite hein, cette empreinte du nazisme sur le monument. Et après de nombreux débats, ce monument est préservé. On peut encore le voir aujourd'hui à Hambourg. Et il est préservé avec évidemment une explication très précise sur son histoire, quand est-ce qu'il a été érigé, quelles ont été les évolutions qui l'ont marqué, mais aussi avec une contre-œuvre qui a été faite par un artiste hein, marqué à gauche, très antifasciste, Riedlischka, et qui met en scène justement des valeurs tout à fait contraires à celles qu'illustre le monument. Donc le visiteur aujourd'hui, il a en quelque sorte un triptyque quand il se promène là. Il a le monument original qu'il peut voir, donc c'est de l'art nazi, hein, sans discussion. Une explication qui nous dit pourquoi il est encore là et quel débat cela a suscité dans l'histoire de la ville. Et puis, cette contre-œuvre qu'on ne peut pas manquer, qui est juste à côté et qui est évidemment extrêmement forte dans sa manière de dire tout autre chose que le monument. Donc, il y a cette vivacité de l'espace public allemand, utilisant notamment le caractère artistique, qui est évidemment un enjeu dans les débats. Et c'est le cas aussi d'ailleurs hein, pour des statues colonialistes, comme celle que j'évoquais tout à l'heure de Wiesmann, qui a été ensuite, une fois qu'elle a été démontée, elle a été aussi retravaillée par des artistes. Donc là, il y a tout un pan de discussion qui est aussi pas seulement la question de savoir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui doit partir, qu'est-ce qui doit rester, mais c'est aussi ensuite quand ça part ou quand ça change, comment est-ce que l'art peut exprimer très fortement d'autres valeurs que celles que la statue initiale ou en quelque sorte les mémoires initiales entendaient célébrer. Toutes ces pistes très stimulantes montrent qu'il faut réfléchir au cas par cas, qu'il n'y a pas de solution unique, ce que souligne également Dominique Taffin en évoquant le travail au sein de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. De fait, c'est vrai qu'il y a une multiplicité de réponses possibles. Voilà l'ère du monument. En fait, on le voit bien même, ces monuments qui aujourd'hui sont contestés, finalement, qu'on ne regardait plus hein, parce qu'ils étaient en partie vidés de leur sens, on ne les reliait plus à de l'histoire. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a aussi une vie du monument qui est une vie à la fois liée à son caractère artistique et patrimonial, autant qu'à ce qu'il représentait, ce à quoi il référait. Aujourd'hui, avec les différentes interventions artistiques possibles, avec aussi le travail de l'éducation, il y a en fait des façons multiples aussi de témoigner et de garder la trace de l'histoire et du passé. Et ce rapport au passé, je pense qu'aujourd'hui, il est en train de beaucoup évoluer. Alors, le travail que la Fondation se propose de faire, avec son conseil scientifique, c'est de réfléchir d'abord justement à ces différentes formes d'expression. Ça peut être aussi voilà, une création contemporaine éphémère, ça peut être d'utiliser le numérique, hein, tout simplement, voilà, créer finalement de nouvelles traces à travers le numérique qui peuvent avoir aussi une certaine... comment dire, des réactualisations plus régulières. Il y a quelqu'un qui a même évoqué l'idée que finalement, il y a une durée de vie du monument. Mais voilà, le côté un peu inscrire dans la pierre, dans le marbre, dans le bronze, une figure unique, alors qu'elle ne rend pas compte forcément de dynamiques qui sont des dynamiques plus collectives aussi. C'est évidemment une façon de faire et de marquer les traces qui aujourd'hui, quand même, voilà, elle reste encore très vivante, mais... permet bien des alternatives et je crois que voilà, il faut surtout pas s'enfermer dans l'idée soit on met une plaque et on contextualise, soit on met un contre-monument. Je pense qu'il va y avoir vraiment un travail sans doute qui va demander de mobiliser à la fois des historiens, des chercheurs, mais aussi des artistes et bien évidemment les donneurs d'ordre que sont les collectivités ou l'État sur la façon même dont on peut faire prendre en compte cette histoire. Il est évident qu'il suffit
pas d'avoir parlé une fois de l'esclavage pour que la question de l'esclavage soit connue. On comprend que on enseigne chaque année l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi donc voilà, on se contenterait d'en avoir parlé une fois pour que le problème et la question de la connaissance soient réglés. C'est vrai qu'il y a un gros travail au niveau de l'éducation déjà. C'est aussi voilà des productions qui peuvent être des livres, de l'édition jeunesse. Enfin, il y a une multiplicité de canaux mobilisables pour que à la fois en termes historiques et de connaissances et en termes aussi de reconnaissance, c'est-à-dire aussi de capacité à s'identifier à des valeurs, à des moments, à des événements qui font du sens. Il y a effectivement une multiplicité de façons de les évoquer. On a pu le voir d'ailleurs hein, sur à Richmond, je regardais ça sur les statues, la statue de Lee, sur laquelle donc pendant des jours il y a eu voilà autour des sit-ins, il y a eu des manifestations artistiques de type musical, des projections, etc. Et là tout de suite du coup il y a une façon de réinvertir. D'inverser, de subvertir, mais aussi de réinterpréter et de revitaliser dans un autre sens des monuments. Et ça, voilà, c'est quelque chose aussi de l'ordre du vivant que peut-être la statue aujourd'hui a un peu de mal à incarner. Une série de propositions extrêmement intéressantes et ouvertes auxquelles je crois qu'on ne peut que souscrire. Pour conclure, je vous propose d'écouter la belle réflexion de la politiste Ciliane Larcher que vous avez pu entendre dans le troisième épisode de cette série sur l'espace public envisagé comme espace commun. Ma position là, en tant que chercheuse en sciences politiques, travaillant sur la citoyenneté et sur la question du commun, est double. Je suis peu favorable aux politiques mémorielles au sens où je ne crois pas à l'efficacité des politiques symboliques pour répondre aux inégalités sociales structurelles. Cependant, le débat auquel nous assistons m'a beaucoup fait réfléchir aussi à ce que dit le symbolique. Que demande la société et les groupes, pour le coup, qui se mobilisent, à non seulement à l'État, mais aussi, si vous voulez, quelle idée de la société traverse ces revendications. Et j'ai l'impression que là, nous sommes collectivement invités à réfléchir à la manière dont l'espace public, s'il est un espace du commun, il pourrait incarner, symboliser un espace partagé. Et pour le coup, je pense que la question de déboulonner ou pas des statuts doit rester entre les mains de la concertation publique entre les habitants et les élus, notamment des villes. Mais ce que je pense quand même, c'est que il y a une question de fond à laquelle qui doit nous interroger collectivement, c'est comment, à quelles conditions des politiques publiques peuvent construire un espace partagé. Et il est manifeste qu'on ne construit pas un espace partagé en accordant une place asymétrique ou disproportionnée à une seule interprétation du rapport au passé. Ce que je pense, c'est que, par exemple, dans la contestation qui est faite de la figure de Colbert, il est évident qu'un personnage comme Colbert incarne un moment florissant du commerce et aussi de la centralisation de l'État en France sous l'Ancien Régime, qui dit aussi que cette centralisation et ce caractère florissant du commerce n'est pas pensable sans la traite transatlantique et donc sans l'histoire de l'esclavage. Par conséquent, une partie des citoyens français puise son histoire non seulement dans l'histoire de l'esclavage, mais je vais vous dire quelque chose qui n'est pas beaucoup dit, dans la rédaction même du Code noir. Vous avez un article du Code noir qui rend possible l'accès à une forme d'égalité civile pour les affranchis. Il n'est pas absurde d'imaginer qu'on puisse parler de Colbert ou symboliser Colbert dans l'espace public tout en manifestant le lien de cette figure-là avec cette histoire-là, l'histoire de l'esclavage. Comment le faire? Là, je pense qu'il faut des discussions entre associations, élus, pour trouver des modes consensuels qui, de mon point de vue, ne peuvent pas passer par une décision d'en haut, mais qui doivent faire l'objet d'une concertation publique. Mais je pense que la question majeure à laquelle nous sommes confrontés, c'est que cet espace partagé, il n'est pas séparable d'une autre question fondamentale, c'est que les démocraties contemporaines ne sont pas non pas seulement une histoire de construction institutionnelle, mais elles sont aussi une histoire. Et là, je pense à une formulation de Pierre Rosanvallon qui dit que la démocratie a une histoire, mais elle est une histoire. Et donc, aujourd'hui,
si l'espace public en tant qu'espace partagé doit manifester le fait que le lien démocratique est une histoire, quelle histoire voulons-nous symboliser, voulons-nous raconter à la mesure de ce par quoi les sociétés contemporaines sont passées et surtout à la mesure du type de lien civique que nous voulons créer sous des formes symboliques. Et là, je pense qu'il y a une vraie discussion à ouvrir et imaginer des contre-statuts, d'autres inventions artistiques ou patrimoniales ne me paraît pas aberrant et fermer le débat ne me semble pas, pour le coup, la solution. C'est la fin de cette série d'émissions proposées par Parole d'Histoire. Un immense merci aux intervenantes et aux intervenants qui y ont participé, et pour beaucoup qui ont fait l'effort, en dehors de France, de parler en français. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont encouragé ce projet, qui m'ont mis en contact avec des invités. Merci à vous d'avoir écouté et d'avoir commenté. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou une note. Vous pouvez également soutenir le podcast et ses frais d'hébergement internet via le lien PayPal qui se trouve sur le site paroledhistoire.fr. On se retrouve prochainement pour les toutes dernières émissions de la saison. Merci et à bientôt.